Bonjour à toutes et à toutes, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous annoncer en fait la mort de Canel. Donc j'ai pas pu vous le dire avant parce que malheureusement je n'arrive plus à transférer mes vidéos sur mon PC, donc malheureusement je peux plus en faire pour le moment, mais je me suis dit que via mon application, Camtasia, je peux vous montrer juste cette photo. En tout cas je fais juste filmer mon écran. Donc du coup voilà, c'était pour vous l'annoncer. Alors effectivement, elle est morte il y a à peu près 2 à 3 semaines. Pour vous dire, je compte même plus parce que j'ai beaucoup souffert de sa perte en fait. Donc si vous voulez, je vous explique ce jour-là un petit peu en détail. Donc en fait, j'ai été les nourrir au matin. Comme d'habitude, bah, forcément, ils dorment hein, le jour, ils se réveillent plutôt la nuit. Donc j'ai pas voulu les déranger et du coup j'y suis retournée un petit peu plus tard dans les horaires où ils commencent à se réveiller, et quand j'ai pris sa maison, j'ai découvert qu'en fait elle ne bougeait plus du tout, elle était toute froide et voilà, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit comment ça se fait qu'elle est morte, enfin beaucoup de choses dans ma tête ont trotté, parce que d'un certain côté, comme je vous en ai parlé dans certaines vidéos, pour moi Canel était enceinte et parce qu'elle avait un ventre énorme. Et c'est pour ça que je me suis dit comment ça se fait qu'elle est morte si jeune, surtout qu'elle n'avait même pas un an. Donc là, la photo qu'on voit actuellement, c'est quand je l'ai eue, quelques jours après que je l'ai eue. Et voilà, donc je sais pas du tout comment ça se fait qu'elle soit morte. Elle était dans de bonnes conditions, elle vivait dans un bon habitat, elle avait des bonnes graines, de l'eau, elle avait tout ce qu'il lui fallait. D'un certain côté, c'est ça que je me suis dit. C'est qu'à mon avis, soit elle était enceinte et ses bébés sont morts dans son ventre et qu'elle n'a pas supporté, forcément qu'elle est morte. Mais comme je pouvais pas le savoir vraiment si elle était enceinte, ben, de toute façon il était déjà trop tard si je pouvais l'emmener en vétérinaire, c'est trop tard. Ou alors elle a eu une tumeur dans le ventre ou quelque chose comme ça qui a fait qu'elle est décédée rapidement. Balou pour le moment n'est vraiment pas bien. Depuis sa mort en fait, hein, si vous voulez, il était en train de dormir en fait à côté de la maison de Canel, donc je me doute qu'il a dû sentir son odeur comme quoi elle était morte. Donc à mon avis ça a dû lui faire un choc puisqu'il l'aimait vraiment beaucoup et qu'ils étaient tout le temps ensemble, etc. Donc ça a dû quand même lui faire un choc. Maintenant c'est vrai que depuis la perte de Canel, ben voilà, je suis un peu perdue en fait qu'elle ne soit plus là. Ça m'était vraiment jamais arrivé avec les autres rongeurs. Avant ça passait assez vite, je vais dire ça entre guillemets, mais là je sais pas, Canel m'a énormément marqué et elle est toujours là, donc voilà. Donc du coup Balou forcément a hérité entre guillemets de tout l'espace de l'enclos, donc c'est à dire qu'il vit maintenant dans un enclos de 2 mètres sur 1 mètre. Donc voilà, il vit vraiment dans un grand espace, il a beaucoup de jouets, etc. Donc ça, je ne l'oublie pas, en aucun cas, je ne vais pas oublier Balou ni Kitaï. Ça, c'est pas possible pour moi de les oublier. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est encore plus distant qu'avant. Alors déjà, avant, il ne se laissait pas prendre, mais alors là, c'est pire. J'ai l'impression qu'il ne veut vraiment pas que je le touche. Alors, il n'essaye pas de me mordre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il se retourne sur le dos. Il est vraiment très craintif. J'avais jamais eu... je vais dire un rongeur aussi craintif que lui en tout cas, mais bon, je fais avec, tant qu'il ne me mord pas, tant qu'il n'est pas méchant, qu'il n'a pas quelque chose d'agressif, pour moi tout va bien, donc pour le moment ça va. Au niveau de Kitaï, donc il a bien grandi, il est devenu très grand je trouve par rapport au début quand je l'ai eu. Voilà, donc il est vraiment bien grand. Je vais vous prévoir une séance photo de Kitaï et de Balou évidemment. Et bien évidemment aussi pour vous dire ben forcément que demain c'est mon anniversaire et que du coup j'ai décidé, enfin le 15 juin donc c'est aujourd'hui, mais comme je vais vous la poster plus tard, voilà. Du coup, comment dire, comme c'est mon anniversaire, j'ai décidé en fait de reprendre un rongeur. Donc je pense que tout le monde s'en est douté, ce sera un cochon d'Inde, parce que j'en avais parlé que le prochain rongeur que j'allais sûrement avoir, ce sera un cochon d'Inde. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas prendre un cochon d'Inde pour qu'il vive avec Kitaï.
dans le même enclos, comme ça ils seraient tous les deux et Kita il ne se sentirait pas seul. Alors pour Baloo, vous allez me dire, t'aurais dû peut-être prendre aussi un compagnon pour lui. Le truc c'est que les hamsters syriens vivent principalement seuls, ils n'aiment pas avoir de la compagnie. C'est juste que là Canel était une femelle et que du coup il s'entendait bien avec puisqu'il l'a connue étant bébé. Donc voilà, mais sinon il vivra seul. Donc voilà à propos de ça. Aussi une bonne nouvelle entre guillemets, c'est que mon frère a eu des bébés gerbilles. Alors oui, on ne s'en doutait vraiment pas parce que comme au départ on pensait que Scratch, donc le petit nouveau, était une femelle, bah, du coup on les avait mis ensemble et malheureusement bah, ils ont su se reproduire assez rapidement. Et donc du coup elle a eu ses bébés, donc ils sont déjà grands maintenant, ils ont déjà des poils. Ils n'ont pas encore ouvert leurs yeux, mais voilà, on sait déjà à peu près leur sexe. Donc il y a 5 bébés, il y a 4 noirs et une rousse. Voilà, donc la petite rousse c'est une femelle. Après pour les noirs c'est un peu plus compliqué à savoir puisqu'ils sont tous noirs avec une bavette blanche. Donc on n'arrive pas à les reconnaître parce qu'ils sont tous pareils. Maintenant peut-être quand ils seront un peu plus grands. Donc mon frère ne va pas les garder parce que malheureusement voilà, il en a déjà 2 et au départ il pensait donner Scratch en fait parce qu'il n'a... Voilà, il ne savait pas quoi faire vu que c'était un mâle et une femelle, donc il pensait donner le mâle et garder la femelle. Mais bon, vu qu'il a eu des bébés maintenant, il va sûrement les donner. Alors au départ, j'ai hésité à prendre 2 ou 3 de ces bébés du même sexe pour avoir des gerbilles. Mais le truc que je me suis dit, c'est vrai que les gerbilles, ben, forcément, ça vit en cage et je n'ai plus envie d'avoir des animaux en cage. Donc voilà, j'ai préféré prendre un cochon d'Inde et qu'ils vivent avec Kitaï. Voilà, donc je pense que je vous ai un petit peu résumé tout ce qui s'est passé pendant ces semaines que je n'ai pas fait de vidéo. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez, forcément, pour les bébés. Si peut-être vous habitez en Belgique et que ça vous intéresse, par hasard. Voilà. Et bien évidemment, vu que je vais aller chercher mon cochon d'Inde, je vous ferai séance photo pour vous montrer un petit peu comment elle est, parce que ce serait une femelle. Vous inquiétez pas, Kitaï sera castré, donc ça ne changera rien. Et du coup je vous ferai une vidéo par rapport à ça, enfin plutôt une séance photo puisque du coup je ne saurais pas faire de vidéo. Je vous ferai une séance photo avec ma voix sur la vidéo. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.